chers amis, bonjour et bienvenue sur SLI. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la Mercedes Coupé CLA. SLI, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café. Donc on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Encore un essai détaillé d'automobile de haute précision. Cette voiture, c'est 4 roues. Mais aussi un magnifique volant. Un moteur thermique et un moteur électrique. J'espère que ça vous a plu. Bisous, à bientôt. Ciao. On va essayer de faire un peu mieux. Hein, vous donner un peu plus de détails sur cette voiture, ça sera pas mal. Allez, on va commencer par le design. Mercedes, un petit peu l'inventeur du coupé 4 portes avec le CLS à l'époque. Et ils l'ont même décliné sur cette CLA, qui est sur base d'une classe A, une voiture compacte de chez Mercedes. Donc là, on lui a greffé un coffre, comme vous le voyez, avec un toit fuyant. Ce qui donne au total quelque chose d'assez rare qu'on voit de moins en moins sur nos routes, des voitures tricore plutôt esthétiques. Mercedes est quand même le spécialiste des différentes propositions de carrosserie. Hein. Il y en a vraiment beaucoup dans la gamme. CLA 250E, comme c'est écrit à l'arrière, véhicule hybride rechargeable. C'est un modèle 2023. Ce n'est pas les toutes dernières générations, puisque au niveau de la calandre à l'avant, il y a eu des petites modifications, puis au niveau tableau de bord aussi. Et je remercie d'ailleurs la concession Davis Montgazon à Magnanville dans le 78. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, l'équipe est très sympa. Alors on retrouve en termes de design une face avant de Mercedes classe A avec le gros logo Mercedes et le double bossage du capot qu'on voit aussi de l'intérieur en conduisant. Il y a du style. On est chaussé en 225-40 R19, une belle monte sur cette auto et des belles jantes siglées AMG, s'il vous plaît, avec des disques de frein ventilés percés et l'étrier de frein qui est badgé Mercedes-Benz. On est sur une finition AMG Line, comme on vient de le voir, au niveau des jantes. Pour ouvrir la trappe à carburant, c'est ici. Magie de l'ouverture, c'est écrit hybride, donc du coup, eh bien ici on met son essence, 35 litres de réservoir, ce qui n'est pas démesuré. Et la voiture possède une autonomie de 500 à 600 km avec la deuxième trappe qui elle s'ouvre comme ceci pour l'électricité. Et ici, vous pourrez brancher la fameuse prise. Recharge totale de cette batterie de 15,6 kWh en fonction de ce que vous avez comme borne entre 6 heures et 30 minutes. Voilà. Pour une autonomie quand même, pour un véhicule hybride rechargeable qui est intéressante, entre 70 et 80 km WLTP. Après, dans les faits, même si vous faites 50-60 km, c'est vraiment bien pour ce style de modèle. En full électrique même, jusqu'à 140 km/h hein, sur les derniers modèles. Cette auto possède un coffre. On va l'ouvrir. On a ici 400 litres, quasiment. On est à 395 litres, ce qui est plutôt pas mal. On peut y loger des bagages de manière intéressante. Et on a ici un petit logement pour ranger, par exemple, sa prise électrique avec un kit de secours. Pas de fermeture assistée, c'est du manuel. On va aller voir le compartiment moteur, ce qui s'y passe. Hein ? On va aller voir ça. Petite prière, parce qu'on a le Saint Vérin sur cette Mercedes. On ose l'espérer. Voilà. Ah, Saint Vérin, quand tu nous tiens. Unique. Unique Saint Vérin, magnifique. Voilà, double motorisation, à la fois thermique et électrique, hein, l'hybridation. Ici à gauche, un moteur 4 cylindres, 1 litre 3, 160 chevaux, turbo compressé. Et à droite, la partie motorisation électrique qui représente dans les 100 chevaux environ. Ça doit être 102 chevaux pour être très précis. Tout cumulé, parce que les énergies ne se calculent pas de la même façon, on n'additionne pas 100 plus 160, tout cumulé, ça fait 218 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Un 0 à 100 en 6 secondes 8, c'est pas si mal, et une Vmax donnée à 240 km/h. Allez, on a vu. On va aller sur Essai Libre, regarde les dessous un petit peu. On va aller voir ce qui se passe sous la voiture derrière.
Nous avons, comme c'est à la mode, deux belles sorties factices. Je ne vois même pas la sortie d'échappement, ni à gauche ni à droite. On a un fond quasiment plat sur le dessous. Je ne sais pas où est l'échappement. Il est bien caché sur cette auto. Eh bien, je crois que je l'ai trouvé. Il est en plein milieu de la voiture, ce petit échappement. Plein milieu. Vous voyez ici ? Il est là. Voiture tricor, 4 portes. On va aller voir ce que ça donne à l'arrière. Hein. J'ai un pressentiment, je sens que ça va être un petit peu chaud de loger son 1m88 à l'arrière. Hein. Le pavillon fuyant, hein, ça fait une ligne de toit très basse. Du coup, il faut plier la tête pour rentrer à l'intérieur. Hein. Bah, du coup, ça reste un peu juste hein, quand même. Hein. On peut pas dire le contraire, les passagers à l'arrière, ils vont pas être très très bien lotis. Hein. L'espace aux jambes, c'est pas ça. La garde au pavillon, c'est pas trop ça non plus, c'est tout juste. Donc c'est un peu une problématique pour les personnes de grande taille. Alors, ici un petit accoudoir. Et le porte-gobelet, bien sûr. On a quand même une belle sellerie. En simili-cuir et un peu microfibre, ici. Avec des coutures rouges pour le sport. Cette finition MG Line. Qui dit coupé, dit porte sans encadrement. On va regarder la signature lumineuse. Je vais allumer les clignotants pour voir. Pas de clignotant à LED défilant. Clignotant simple à LED. Et sur l'avant, voilà le clignotant à LED. Signature lumineuse, éclairage arrière. On ne voit pas très bien ce qui fait jour. Signature lumineuse à l'avant. Une virgule ici. Et le haut du feu également éclairé. Belle qualité de fabrication, beau tableau de bord dans cette Mercedes CLA coupée avec la fameuse tablette tout en horizontal d'un bloc. Voyez, et ça, c'est plutôt malin, c'est un des plus beaux tableaux de bord de la production automobile pour moi parce que l'intégration est bonne et on est en version 100% digitale comme sur toutes les voitures aujourd'hui, mais avec une belle intégration. Avec, on le voit un peu ici et dans l'ombre, des petits rétroéclairages partout. Il y a des éclairages à LED qu'on peut changer sur plein de couleurs, le long du tableau de bord, dans les contre-portes. On peut tout gérer d'un pouce, ici à gauche, sur ce panneau de contrôle, au-delà du régulateur limiteur de vitesse. On a un petit pad ici noir, vous voyez, et des petites touches qui permettent de tout gérer. Donc si je vais appuyer sur la maison, effectivement, et là je peux me déplacer dans ces différents menus, en faisant glisser le pad et on peut changer justement les designs. Donc on appuie sur la petite touche noire et là on a les différents styles de compteurs qui nous font face. Alors, il y a le sportif, il y a le progressif, on a l'épuré. Il y a très peu de choses. Alors pour ma part, moi je vais remettre le mode sport. Voilà, mode sportif. Parce qu'on aime le sport. Voilà. À l'ancienne, avec des kilomètres-heure, des aiguilles et un compte-tour. Et vous allez voir qu'on peut encore agir dans ces compteurs pour afficher ce qu'on veut. C'est ça qui est pas mal. Je vais à gauche. Le compteur, ici à gauche, se met en surbrillance. Et ensuite, je fais descendre ce que je veux afficher. Vous voyez ? Il y a plein de choses qui peuvent s'afficher à l'intérieur de ce compteur gauche. La radio, au-delà des kilomètres heure, on peut afficher ce qu'on a envie, même l'heure, vous voyez. Voilà. Et je vais à droite, en descendant, et eh bien, voilà, je peux afficher le pourcentage d'utilisation de l'électricité, les consommations moyennes, on peut afficher un tas de choses. Pour ce qui est de la tablette de droite, ici j'ai encore un pad dans cette version, pour le faire glisser. Vous voyez, il suffit de faire des passages sur la droite et on peut, en appuyant, régler ce qu'on veut sur le véhicule, assistance, véhicule, éclairage, système. Bref, design et technologique, hein, comme on fait dans les voitures modernes aujourd'hui. Vous avez bien sûr des touches d'accès direct, heureusement, pour la clim. Climatisation, ventilation, touches d'accès direct et heureusement, c'est plus pratique. Avec les réglages du siège sont ici.
dans la contre-porte. Les feux et le frein main, même combat sur la gauche ici. En termes de rangement, accoudoir central avec des rangements. On croirait au pommeau de levier de vitesse, mais pas du tout. C'est juste pour pouvoir poser sa paume de main pour jouer avec le pad, sachant que le levier de vitesse, il est là. À ne pas confondre avec les essuie-glaces. C'est toujours troublant quand on n'a pas l'habitude, mais c'est quand même relativement pratique. Du laquais noir, cauchemar des maniaco-dépressifs de la poussière, parce que ça prend la poussière malheureusement. Ça mousse! Et ça mousse encore, même ici. Il n'y a que les plastiques du bas qui sont durs, comme cette porte de boîte à gants, ou ici, sur la console centrale, mais c'est plus caché. Les petits rangements, porte-gobelet, qu'on peut fermer ici. Là, cette touche ici gère deux choses, à la fois le tour ouvrant et le vélum. Vous voyez, j'ai activé une fois, ça ouvre le vélum. Et j'active une deuxième fois, ça ouvre le toit. Et il est d'une belle surface, c'est pas mal. Le vélum qui se repositionne. Le tarif de ce modèle CLA coupé, à partir d'un peu plus de 51 000 euros, et puis après, ça peut aller à plus de 60 000 euros. Donc on va pas dire qu'elle soit bradée. Quand on démarre, elle démarre en mode 100% électrique, et elle ne se traîne pas. Le mode électrique fonctionne très très bien, et quand on sollicite la pédale de droite, eh bien elle y va avec un allant certain. On trouve sa position de conduite, siège qui maintient bien. On sent bien l'entourage du siège, ça c'est appréciable. Siège un peu typé baqué, c'est plutôt pas mal. Mais comme la voiture a une ceinture de caisse assez haute, on se sent un petit peu comme dans une bassine, très engoncée comme ça, à l'intérieur de son cocon. Voilà, il faut aimer ça, puis le coude à la portière, du coup, il est bien haut. La voiture est dotée d'un bon amortissement, assez confort. La tenue de route, pas de soucis particuliers, hein. Concrètement, aujourd'hui, dans les voitures modernes, on n'a plus de mauvaises voitures avec tenue de route effroyable. Ça n'existe plus, ça. La qualité intrinsèque des véhicules est vraiment montée en flèche. Tenue de cap à vitesse un peu plus soutenue, en virage, c'est vraiment bon. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous aimez cette marque Mercedes et ce que vous en pensez, ça m'intéresse de partager. Mercedes qui a toujours une large gamme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des carrosseries différentes. Vraiment beaucoup, beaucoup de modèles dans la gamme Mercedes. C'est énorme. Et c'est libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins, même avec des proprios qui viennent nous parler de leur voiture et de leur passion. Donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure dans la description de la vidéo pour venir me retrouver et partager la passion automobile. Le propre d'une bonne boîte de vitesse, c'est qu'elle se fait oublier. Et bien là, c'est le cas aussi. Sur cette boîte de vitesse Mercedes, et bien elle se fait oublier, on n'a pas envie d'aller corriger le passage des vitesses au volant. C'est une boîte à 8 rapports. Alors là, je suis en mode 100% électrique. Vous voyez, je fais des relances. Ça pose pas de problème, ça accélère bien. Pas de bruit de motorisation, bien sûr. Ça se gâte un peu si je mets le mode sport. Alors les changements de mode, c'est la touche dynamique ici sur la console centrale. Mode éco. Conservation de batterie, mode électrique, confort. Et plus haut, j'ai le mode sport qui apparaît. Voilà, j'y suis. Donc, si j'ai besoin de doubler, j'accélère franchement. Vous entendez? Le moteur se fait entendre. Et il reste haut dans les tours en mode sport. C'est pas très agréable puisque ce 4 cylindres est pour moi un petit peu bruyant quand même. 1,3 litre, 160 chevaux, je rappelle. Je vais essayer le mode confort pour voir si ça gomme un peu ce problème. Et effectivement, ensuite on est moins haut dans les tours. C'est vraiment en cas de sollicitation assez forte. Le moteur vient trancher avec le calme et la volupté. C'est si jamais on agresse la pédale de droite. Alors on est sur un modèle hybride rechargeable. Donc vous parlez de consommation. C'est en fonction de comment vous allez l'utiliser. Quand on a un hybride rechargeable, eh bien, on recharge le maximum de fois. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Et si vous faites des trajets
maison, travail, si vous rechargez aux deux endroits, eh bien vous allez consommer quasiment zéro d'essence. Et si vous roulez en hybride, eh bien là vous allez consommer un petit peu plus forcément. Mais en mode hybridation, quand on gère bien les deux, on peut ne consommer qu'environ 2 litres au 100. Eh bien c'est un hybride rechargeable qui pèse quand même lourd, parce que ça fait 1 tonne 7, hein, forcément il y a 150 kg de batterie. Mais la voiture pour autant sans batterie ne consomme pas énormément. On doit être autour de 6-7 litres au 100, ce qui est quand même raisonnable vu le poids de la voiture. Il faut réussir à jongler en conservant toujours un petit peu d'électricité pour venir aider la partie motorisation. Et c'est là où on peut consommer en hybridation sur long parcours 5 à 6 litres. C'est là tout l'avantage de cette hybridation, surtout sur une voiture du quotidien où on peut faire des trajets maison, boulot, pour vraiment pas très cher en termes de conso. Et puis on peut partir en vacances aussi sans avoir les contraintes de s'arrêter sur une borne de recharge tous les 200-300 km. C'est l'alternative au véhicule 100% électrique pour ceux qui n'ont pas encore envie de s'embêter à recharger sans arrêt sur les autoroutes quand on part sur long trajet. Les véhicules électriques progressant, certainement que l'autonomie va progresser, voire même peut-être dépasser l'autonomie de ces véhicules hybrides. Nous verrons à l'avenir. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt électrique ou hybride ou thermique. Un petit pouce pour donner de la force à Essai Libre si vous aimez cet essai. C'est important. Deux éléments où, pour ma part, j'ai connu mieux, c'est la direction, le ressenti, le toucher de la route dans la direction. Il y a un très léger flottement, je trouve, direction qui donne une sensation un petit peu électrique. C'est pas une direction de type incisif et percutant. On a quand même une souplesse, voilà. Bon, il faut aimer ça, moi je préfère quand c'est plus percutant, plus directif. Là, il y a une certaine souplesse. Une question de goût aussi, hein. Et après, deuxième élément, c'est le freinage. La sensation au toucher du frein, c'est-à-dire qu'au début, c'est un peu mou. Et puis après, ça arrive tout de suite. Il n'y a pas de progressivité dans le freinage. Il n'y a rien et d'un seul coup, il y a tout. Voilà, c'est ça que je peux reprocher. J'ai connu mieux en termes de toucher de pédale de frein. Moi qui essaye quelques autos pour vous faire plaisir. Très peu de concurrentes sur cette CA-là parce que c'est un véhicule un peu de niche. Hein. Coupé 4 portes, tricore. Voilà, elle est un peu unique sur son marché. Mais c'est bien qu'il y ait encore des propositions comme celle-là, parce qu'on voit de moins en moins de voitures tricor, et je trouve que c'est dommage. Avec cette mode du SUV à tout va, les gens font plus confiance à des véhicules hauts, ça donne une impression d'en avoir plus pour le même prix. Mais ça n'est qu'une impression. Pour conclure, forcément, une auto de 60 000 euros, ça reste une bonne auto. J'ai connu mieux en ressenti au niveau de la direction, au niveau de la pédale de frein, mais ça, c'est plus à titre personnel. Après, chacun voit, hein, peut trouver ce toucher de route et ce toucher de pédale de frein intéressant, parce qu'il est plus en souplesse, moins directif. C'est en fonction de son goût. Par rapport à une classe A classique, on a un coffre de 400 litres, ce qui est plutôt bien. Par contre, les places à l'arrière, ça reste quand même restreint. Si on fait plus d'un mètre 80, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et le bon plus, c'est quand même son autonomie en mode hybride et notamment 100% électrique. Ça, franchement, c'est pas mal. Faire plus de 50 km sur un véhicule hybride rechargeable, c'est quand même bien. En cycle WLTP, elle donne même 70 à 80 km. Mais bon, dans la réalité des faits, c'est pas ça que vous ferez. Mais en tout cas, par rapport à la concurrence, elle est bien placée. Autre point positif que j'y vois sur cette CLA coupée, c'est aussi sa planche de bord qui est très novatrice, très techno et très design. Une des planches les plus réussies de la production automobile. Si vous avez aimé cette vidéo, bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour donner de la force à Essai Libre. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bien n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est une vidéo tous les dimanches matin sur la passion automobile avec des autos récentes ou des autos newtimer ou plus anciennes. Et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Et merci encore une fois à la concession Davis Mongazon de Magnanville dans le 78. Ça permet de continuer à partager avec vous. En attendant, portez-vous bien et surtout, on continue à vivre sa passion. C'est bien le plus important. Allez, ciao !